Je m'appelle Noémie Elgrissi, je viens de terminer ma thèse de doctorat. J'ai passé 3 ans et demi dans le laboratoire de Marc Foncave de chimie des processus biologiques, où j'ai travaillé à l'élaboration de catalyseurs pour la transformation du CO2 en carburant. Dans le laboratoire, on travaille sur le développement de nouveaux catalyseurs, donc des molécules chimiques qui permettent d'aider les réactions de réduction du CO2. Le but, c'est d'utiliser à terme du CO2, de l'eau et de l'énergie, idéalement de l'énergie solaire, et transformer tout ça en carburant. C'est pour ça qu'on parle de photosynthèse artificielle, puisque la photosynthèse, c'est du stockage de l'énergie solaire sous la forme de liaisons chimiques, exactement comme ce qu'on fait. On a du CO2, des protons, et on met plein d'énergie. Le problème, c'est qu'on peut former plein de produits différents. Puisque c'est très très simple, donc c'est comme des Lego. On a des toutes petites briques, donc on peut faire à peu près n'importe quoi. Donc là, c'est extrêmement compliqué d'avoir le produit final qu'on veut. C'est ça qui est compliqué à faire, c'est de savoir comment est-ce qu'à partir de briques très très simples, on arrive à former très sélectivement le produit qu'on veut. Qu'est-ce qui oriente la réaction vers un chemin réactionnel précis pour arriver à un produit précis. Et pour le cobalt, 2 millimolaires, ouais, c'est bien. Et l'autre, 0,1 molaire. 0,1 molaire, ouais. Ce qu'on a pu montrer, c'est que si on utilise du nickel, on a une réaction qui est totalement sélective et qui forme uniquement du monoxyde de carbone comme produit. Par contre, quand on a un atome de cobalt comme centre métallique à la place du nickel, on arrive à avoir des mélanges d'hydrogène et de monoxyde de carbone comme produit, et on arrive à orienter très précisément les ratios d'hydrogène et de monoxyde de carbone en fonction de différents paramètres qu'on peut contrôler chimiquement. Donc là, du côté orange, c'est le côté où on a le catalyseur, le cobalt bisterpyridine. On a saturé la solution en CO2. On amène de l'énergie avec le potentiostat et ça permet de réduire le CO2 et de faire des bulles ici, donc en hydrogène et en monoxyde de carbone. On est capable d'utiliser ces mélanges de gaz pour les envoyer directement vers des processus industriels qui s'appellent Fischer-Tropsch, qui eux transforment directement les ratios très précis d'hydrogène et de monoxyde de carbone en d'autres carburants. Par exemple, le méthanol qui est produit industriellement aujourd'hui, il est produit par le procédé Fischer-Tropsch. À terme, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail qui est nécessaire pour développer d'autres molécules, trouver des nouveaux catalyseurs qui permettraient d'accéder à des produits plus intéressants dans le sens où il y aurait par exemple au lieu d'un seul atome de carbone dans le produit final, 2 atomes ou 3 atomes pour arriver directement à du pétrole de synthèse si on veut. Je viens de soutenir ma thèse et donc je vais partir en postdoc dans un laboratoire aux États-Unis. L'aspect création de nouveaux laboratoires, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et je sais que c'est quelque chose de standard dans d'autres systèmes de recherche, notamment aux États-Unis, où on donne tout de suite la chance aux jeunes chercheurs de créer leurs équipes, de créer leurs laboratoires. Et on a eu la chance de le faire ici au collège, mais c'est quelque chose qui est extrêmement rare en France. Et nous, on a eu la chance de pouvoir démarrer un laboratoire à partir d'une pièce vide. Mais c'est extrêmement rare, donc c'est pour ça que je vais en tout cas faire mon postdoc aux États-Unis et ensuite on verra.